L'incubation, cette initiative du projet Défi qui a offert à plus d'une soixantaine de jeunes l'opportunité d'accéder à l'encadrement de proximité de mentors, a constitué un lieu de formation complémentaire orienté vers le renforcement des compétences des jeunes en cursus formel de formation. Les compétences de gestion renforcent les chances de succès de l'initiative entrepreneuriale. Au surplus, l'autre avantage de l'incubation tient au fait qu'elle a permis à la génération de ressources que le jeune entrepreneur peut mettre à contribution dans le financement de son entreprise personnelle. Voilà, exactement comme vous venez de le rappeler, le projet Défi a été financé par l'Union européenne. Donc, nous sommes juste dans le cadre d'un APO avec LuxDev. Et il est porté par l'ONG Eclosio et l'ONG Cosme. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, comme vous venez de le dire, c'est un peu par rapport au financement qu'on a eu à octroyer à chacun des jeunes. Parce qu'après le processus d'incubation, il a été prévu que chacun des jeunes reçoive un kit. Donc nous n'apprenons pas un financement, mais juste un kit de démarrage, ce qui permettrait à chacun des jeunes de pouvoir démarrer son activité afin de développer l'activité jusqu'à avoir une grande entreprise. Et nous sommes là pour suivre ce qui a été fait, un peu pour une petite capitalisation, donc avoir des témoignages des jeunes qui ont été financés, quel est leur ressenti, chacun d'entre eux, comment est-ce qu'il voit la chose, comment est-ce qu'il a vécu dans l'incubation jusqu'à nos jours, et après avoir reçu son kit de démarrage, comment est-ce qu'il s'y prend, est-ce qu'il pense que ça peut l'aider à aller de l'avant, est-ce qu'il va y réussir, donc quel est son ressentiment par rapport à ça et ses prospections dans l'avenir. Donc c'est ce qui a entraîné cette visite, ce qui fait que nous sommes là dans la tournée, essayer de rencontrer chacun des jeunes ou la plupart des jeunes qui ont eu à bénéficier de cette incubation et de ce financement, voir un peu l'état d'avancement de leurs entreprises et de recueillir leurs ressentis et qu'est-ce qu'ils pensent faire par rapport à l'avenir. Et le sentiment ? Moi je m'appelle Mamadou Raoul Badi, je suis un animateur dans le cadre du projet Défi. Nous accompagnons les jeunes qui sont sortis dans les centres de formation professionnelle de la Casamance naturelle vers l'insertion. Ensuite, on a accompagné les autres jeunes, on les a mis en incubation, qui sont un nombre de 64 dans les volets de l'agriculture, de l'arboriculture, de l'aviculture et aussi du maraîchage. Parmi les trois fermes, il y a deux corps qui sont sortis. Maintenant, nous sommes en train de les installer pour leur donner leur financement. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes venus faire un suivi pour voir leur réalisation depuis le début de leur installation. Nous avons commencé par le jeune Aliou Diallo, qui est là à côté. Ce jeune Aliou Diallo, qui est basé à Bignona, n'a pas perdu de temps. Après son incubation, il est en train de mettre en œuvre les compétences acquises sur un espace familial en attendant de lancer son propre entreprise. Incubation à Al-Badar, dans le département de Kafoutine, ça nous a servi à beaucoup de choses. Ça nous a servi à comprendre exactement ce qui se passe sur la terre et sur les plans. Parce que la formation seulement à l'école ne suffisait pas. Et à partir de là, nos incubateurs nous ont montré qu'est-ce qu'un plan. Qu'est-ce qu'une pépinière, tu vois, comment on produit. Donc ça c'est tout plus pour nous. Et aussi notre sortie, que ce soit l'ISRA, aussi d'autres fermes, le Jérôme Djandi, c'est des études qui sont très bénéfiques pour nous. Ça nous a permis de beaucoup apprendre. Tu vois. Donc vraiment, l'occupation, on ne peut pas vraiment de les remercier. Parce que ça a beaucoup, beaucoup de choses, on a fait 6 mois avec ces gens-là, donc vraiment c'est génial. Et donc c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de voir mes plans. S'il y a des problèmes, je peux les détecter. Ouais. De grands centres d'incubation ont été identifiés dans la région de Jigenshor. Plusieurs autres jeunes qui ont bénéficié de la portée du projet Défi, qui joue le rôle de facilitation du passage de la formation professionnelle et technique à l'apprentissage vers l'emploi durable. Oui, parce que c'est des jeunes qui ont fait une incubation pendant 6 mois. Je pense qu'une personne qui a fait une incubation pendant 6 mois, il va acquérir normalement beaucoup de connaissances. Parce que pendant l'incubation, comme je l'ai dit tantôt, ils ont suivi des formations théoriques et pratiques. Ensuite, ils ont effectué des visites d'immersion pour voir aussi réellement ce qui se passe dans l'autre côté, à part les connaissances qu'ils ont acquises à partir de l'incubation. C'est pour cela aujourd'hui, quand on est venu faire la visite,
on est assuré parce qu'on a vu de belles choses qu'il est en train d'être réalisé. Souleymane Diémé de Bindiona, très fier des opportunités offertes par le projet, se dit déterminé à montrer que c'est bien possible de rester et de réussir au Sénégal. Nous allons remercier beaucoup nos partenaires, l'Union européenne, l'ONG. Nous allons remercier le projet Défi. Nous allons remercier les formations de l'Union européenne. C'est possible pour le Sénégal. Alors ça nous rock jatte entre mains pour Djok. Jatte nous marrons sur fang nos partenaires. Et Djok va coller comme lui. Ouais. Ni à aujourd'hui que t'as d'autres. Bah quelques mois avec et comment c'est carré. Nous marrons tous les jours. Et Djok va bien nous suivre pour fang mon fang manjapon. Yo il filme depuis là comme à la formation des lycées agricoles. Donc quand nous avons une formation, on va dire qu'on colle, moi je dis Albada. Donc les mamans disent depuis nos matins, c'est possible. Au ébat babé, au lieu au cap immigré, ben je veux que nous demain. Babé tentam, et dis d'accord tentam là, voilà. Europe, j'ai mal à mon Europe, ah ben je. Casal, tabi tabi, les casal caillou, casal. Comment faire contre ça? Bon, jumbe, on coupe comme on a coupé brum. Mais là, ben matin, broc au bati tentam. Alors ça, au camma, au canté là, au lait au mange, mais là au cané, ah ben je. François Colly, c'est le nom de ce jeune qui s'est lui engagé dans l'élevage porcine. Il a lui aussi bénéficié d'un encadrement soutenu dans un centre d'incubation dans la région de Jiguinchor. Son action grâce au projet est prometteuse, dit-il. J'ai suivi une formation au lycée technique agricole. Après, par la suite, je suis allé à Birassou. J'ai fait là-bas un stage de un mois. Puis on m'a appelé pour l'incubation à Dibelo, c'est Jérôme Diandi, à Mamatoro. J'ai suivi l'incubation de la mousse prochaine. En même temps aussi, je faisais le maraîchage et de l'agriculture. Et donc, qu'est-ce que cela t'a offert comme opportunité aujourd'hui? On t'a trouvé avec une initiative porteuse. En fait, je suis très content parce que du coup, je veux, c'est mon rêve de créer mon propre entreprise pour ne pas être dépendant de quelqu'un et aussi pour être libre. Et c'est ça que je veux. Et puis voilà, ils m'ont donné les poches, je suis content. Donc je ferai tout pour que mon entreprise se développe et que je puisse créer de l'emploi, donner de l'emploi aux jeunes aussi pour qu'ils puissent travailler dans mon entreprise. Ouais, c'est prometteur. Je dirais que même c'est très prometteur parce que moi j'y tiens beaucoup. Ouais. C'est mon rêve. Parce que moi, j'aime l'élevage. Voilà. C'est pour cela que je me suis lancé dans cette activité-là. De porc et 14 sacs d'aliments et 38 tôles pour mon entreprise. En fait, je suis très content parce que voilà, auparavant, c'était difficile pour moi de trouver ces porcs-là. Mais du coup, puisque ces porcs sont déjà là et aussi les tôles, donc ça me reste à construire une porcherie et puis je continue mon lancer. Les filles aussi sont au cœur de cette expérience révolutionnaire. Il s'agit de Maria Maboyan, trouvée à Souel, village de l'arrondissement de Singan, et de Maïmouna Djidjou, trouvée ses ailes à Kataba 2, c'est dans l'arrondissement de Kataba 1. Ces jeunes filles engagées dans un projet d'élevage de poulets de chair ont réussi une prouesse. Tout d'abord, j'avais passé une formation 6 mois à Jiguinchor, c'est Jérôme Diandi. Après, j'étais là-bas incubateur, un éleveur comme agriculture, ouais, comme des pondeuses. Mais on a fait là-bas 6 mois. Après les 6 mois, ils ont donné un financement qu'on peut démarrer. Comme petit démarrage quoi. Après, ils ont financé, ils avaient 73%. Et l'aliment, pour l'aliment, ils avaient 2 sacs d'aliments de démarrage, 2 sacs de croissance et 1 sac de finition. Pour les mangeoires, ils avaient 3 mangeoires qui sont gros et 3 mangeoires qui sont petits. Pour les abreuvoirs aussi, vous avez 2 gros abreuvoirs
et deux petites abreuvoirs. Et pour les vaccins aussi, les médicaments, ils m'ont donné 3 sachets pour les traiter. Par rapport ici, ce qu'on nous, si tu travailles un peu, tu peux gagner beaucoup de choses. Comme par exemple, petit démarrage là, je peux encore augmenter plus d'efforts pour augmenter le nombre de poussins aussi, agrandir aussi mon poulailler. Oui, j'ai un autre espace encore là-bas. Mm-hmm. Ouais. Si ça s'améliore de petit à petit, je veux être orientée là-bas pour agrandir mon entreprise. Je vais élever des moutons, des chèvres, des bœufs, même aussi de l'arboriculture. Je peux faire là-bas, oui. Planter. Pour réussir ici, en restant ici au Sénégal. Inch'Allah. Je me réjouis dans cette zone, de cette commune de Suel. Parmi les jeunes que nous avions incubés, elle est la seule. Et c'est une fille qui était ma battante, qui a su gérer vraiment au niveau de l'incubateur, ce Jérôme. C'est-à-dire qu'il avait géré presque les sources financières et autres. Maintenant, en ce que je me réjouis, la famille s'est vraiment engagée à l'accompagner, à l'accès à la terre. Et là, on a un domaine qui dépasse même 2 hectares, qui est juste tout près du CM de Suel. Donc, le fait de les faire démarrer, c'est juste pour les faire, quand ils vont gagner des revenus, et aller maintenant s'installer progressivement dans leur parcelle. Et donc, c'est tellement important aujourd'hui de voir une fille de ce genre, célibataire, de s'engager dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, au niveau de l'incubation, elle avait suivi, les poulets pondeuses. Mais nous avons senti qu'avec les poulets pondeuses, ça va traîner jusqu'à 6 mois avant de pouvoir gagner des revenus. Nous avons demandé maintenant de pouvoir démarrer avec les poulets de chair, parce que les poulets, c'est juste 45 jours. Et pendant ces 45 jours, elle va déjà commencer. Et or, je ne sens pas qu'elle a vraiment une mortalité au niveau de 73 poules qui sont là. Ils sont tous aujourd'hui vendus. Et quand tu fais vraiment le cumul de tous ces 73, elle dépasse presque le kit qu'on lui avait donné. Et c'est ce qui va lui permettre d'agrandir, d'augmenter encore. Parce que ces poulets que nous avons mis en place dépassent la capacité de 100 poussins, de 100 poules. Et avec les 173, et maintenant la prochaine commande, elle va encore augmenter jusqu'à même 100 ou 120 ou 150. Et au fil du temps, c'est ce qu'à part de ça, qui vont lui permettre de pouvoir installer sa propre ferme qui est déjà mise en place. Voici le plaidoyer que nous avons fait aujourd'hui. C'est de faire comprendre aux jeunes, même en étant une fille, tu peux me réussir. Et le mot « techifie » qui résume tout ça, à partir de chez soi, tu peux réussir chez soi. Donc c'est ce que Léonie Eclosio a su comprendre et mettre en place ce processus d'incubation des jeunes. Et maintenant, je voudrais que Mariama revienne encore. Quel est le message qu'elle va lancer à cette jeunesse au niveau de cette zone? Parce que nous, on sent qu'aujourd'hui, regarde, il n'y a plus de poulets. Il y a ces poulets qui sont là, sont déjà achetés. Ils sont déjà achetés. Et dans toute cette commune de Suel, je ne vois pas quelque part où il y a vraiment un poulailler. Donc si vraiment elle met des efforts, c'est qu'elle va gagner le marché ici. Je suis content de vous parler. Je suis allé à l'élevage, au dessert, à la pondeuse, au maraîchage.
amuñu ben problème ak suñu patron bi bañu ñibisi depuis buñu ñibisi suñu way ñu dox leen ñu xaaliss financer ñu pour ñu commencer di liggéey ñoma défaral lii bi case bi ñu jox ma ginar 67-68% lañ ma jox bala ñi installer ki bi ben pourcent bu dé dé bi ñi installer ba paré ay quelques jours ma am ñaar mortalité fofu la yam lék ci yoyu la jaay 65 la jaay way ñom ñep jaay na yé 65 xal ci bëri ñu jox ma 5 sacs d'aliments ñaari démarrage ñaari croissance ben finition ak abreuvoir mangeoire ak garab mais gis nga ci sa bop bu nga paré lepp da nga jaay lepp waaw contant na baaxa baax li nga jaay li ma jaay parce que xal bu bari la ma ci bari na xam instant bi ni sax commander yenen veterinaire bi moma tiyé ba légui ni ginar yi ñëw bu chaque jour dang koy rappel chaque jour dem koy rappel non ñom à chaque fois dam leen di wax ni ñi dem out liggé ay maraîchage ay arboriculture ay ginar lolu la len do souvent lolu la len do mané lolu ñakko limu touti di nga am limu touti di nga am tay sax ñu bari fi lañ ma fekk ñu né loy jaay mané len ki bi lay jaay li cier bi lay jaay ñu né ma xana lolu yépp jaay la mané len wa ñu né ha xana yow légui lu nek jaay man len waaw ginar yi amul loy ki lepp ngay jaay même boutique ginar yi yep ngay jaay waaw day am ni koy soxla té sama ben mag moko jël té man ci baax ba ma taxaw lolu bu baaxa baax té lolu la bëggon sax lolu la bëgg pour sama ñeneen morom yi xol lolu lol bu taxawé ñeneen ni mën nañ gis ñu na ñom tamit bëgg nañ mu jël té wa dëkk bi sax ñu may remercier ci lolu bu baax baax le sentiment présentement c'est un sentiment de satisfaction parce que les quelques jeunes qu'on a eu à faire pour l'instant on se rend compte que ils ont eu à démarrer et voire même ceux qui sont en agriculture ont déjà revendu la première bande et s'apprête à accueillir d'autres poussins qu'ils vont encore élever. Donc je me dis que c'est déjà un sentiment de satisfaction parce qu'on voit qu'ils ont démarré et qu'il y a de la réussite. Et c'est cette réussite-là qu'on attendait. Quand on entend des témoignages d'eux-mêmes qui disent être satisfaits et qui attendent de pouvoir continuer, c'est-à-dire recevoir les poussins et continuer, ceux qui sont en maraîchage, qui s'impatientent par rapport à leur production, de pouvoir écouler et continuer dans cette lancée, voire même rejoindre certaines de leurs entreprises, c'est-à-dire agrandir leurs entreprises en allant sur d'autres domaines. Je me dis que ça, c'est une grande réussite et pour moi, c'est ce qui est recherché. Parce que ce qui est recherché, c'est que chacun des jeunes puisse trouver un emploi, qu'il y ait de la stabilité, qu'il reste chez eux, c'est-à-dire le slogan Tekifi, qu'il soit réellement vécu par la population, qu'il soit réellement vécu par les jeunes de la localité. Et ces jeunes, comme vient de le dire Maïmouna, ce sont des mentors, je dirais, ce sont des jeunes qui servent d'exemple. Parce qu'elle, si elle dit aujourd'hui qu'elle sent au village, aujourd'hui, elle est vue autrement, c'est-à-dire que c'est déjà son identité qui est rehaussée. C'est-à-dire qu'elle n'est plus celle qu'elle était, mais les gens voient qu'elle est devenue entrepreneur. Les gens voient qu'elle est sur une voie de réussite, qu'elle est quelqu'un qui peut développer. Donc là, je pense se développer. Donc je pense que
Ça lui permet de servir d'exemple à la jeunesse pour que les autres aussi sachent qu'on peut réussir chez soi, on peut réussir dans la vie. Il suffit juste de le vouloir et de s'y mettre. Je pense que le reste, après, ça va venir. Donc pour moi, ça, c'est vraiment une grande satisfaction de trouver que ces jeunes n'ont pas lâché parce qu'on aurait bien pu donner un financement, surtout qu'on parle de kit à un jeune, sachant bien que ce ne sont pas des millions, c'est juste un petit kit, et que ces jeunes demain relâchent, qu'ils aillent sur autre chose, ce qui ferait échouer leur entreprise. Mais s'ils ont tenu jusqu'à présent et qu'ils tiennent encore à continuer, à persévérer, moi je pense que ça c'est vraiment une grande chose et je les encourage dans ce sens, qu'ils y aillent, sachant bien qu'ils sont sur la bonne voie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux que l'entrepreneuriat. C'est en entreprenant qu'on devient son propre patron. Mmh. Et ce business permet à la personne de vivre de ses moyens et de faire vivre d'autres. Parce que quand on va jusqu'à développer une entreprise, jusqu'à même recruter d'autres, ça, on sent qu'on crée de l'emploi, mais on se donne de la valeur soi-même. Donc ça, c'est ce qui est recherché par rapport à l'acte posé par le projet. Et je vois qu'on est vraiment sur la bonne voie. Donc là, je pense que l'équipe de projet, on est vraiment satisfait de ce qui se passe. Le projet Défi est porté par les ONG COSPE et Eclosio et est soutenu par l'Union européenne. Les pépinières d'entreprises développées dans le cadre du projet sont des structures de partenariat qui définissent et offrent une plateforme intégrée d'activités et de services spécialisés aux porteurs de projets agricoles ou d'élevages innovants qui souhaitent créer ou développer des activités innovatrices. Méridional.